ce numéro de Rock en Stock, nous avons voulu vous présenter une autre musique. Dans le rock and roll, il se passe des tas de choses, dans tous les bouts du monde, et il y a ce que les Anglais, les Américains appellent le progressive rock, le rock progressif, et ce qu'on appelle un peu en France, en Europe, l'avant-garde. Et cette autre chose s'est concrétisée surtout en Allemagne, et commence à se faire en France, avec des groupes qui ont décidé de ne pas jouer pour le public de la musique contemporaine, de ne pas jouer pour le public de jazz, de jouer pour le public des amateurs de rock, mais avec une autre musique. Alors au début, on les a un petit peu pris pour des fous, et maintenant, il y a énormément de ces groupes, et nous avons décidé ce soir de vous en présenter deux. Le premier, c'est un groupe allemand, un groupe qui vient de Berlin, s'appelle Agitation Free. Rien dans l'information, rien dans ce qui se passe, n'a au fond beaucoup de rapport avec les Rolling Stones. Et pourtant, on est bien obligé de mettre ça dans le rock parce que peut-être heureusement, on n'a pas encore inventé un nouveau nom. Agitation Free, avec deux batteurs, avec quand même de la guitare, avec bien sûr un synthétiseur, avec toujours une guitare basse aussi. C'est un nouveau son et je crois une expérience assez curieuse et qui valait la peine d'être montrée à la télévision.
Et vous allez voir qu'en France aussi, il se passe des choses. Et pourtant, les Français ont eu beaucoup de mal avec le rock'n'roll parce qu'ils ne savaient pas très bien dans quelle langue ils allaient chanter. En anglais, ils n'avaient pas le meilleur des accents. En français, bah, ça ne se passait pas toujours très bien. Et comme la plupart de ces groupes, Contrepoint n'a pas de chanteur. Ils ont sûrement reçu des influences. Ils ne sont pas encore complètement séparés peut-être de ce qui se passe en Angleterre. Je pense un peu à Soft Machine, mais ils sont en train de fabriquer en ce moment même une musique nouvelle. Je voulais vous la présenter avec trois Français et un Américain, le saxophoniste Hugh Levy, qui s'est parfaitement intégré à ce groupe.